Bonjour, je suis maintenant au parc Shougang, l'un des deux sièges du Salon international du commerce des services de Chine. L'économie numérique et son application dans les services sont au cœur de cette édition 2021 du Salon international du commerce des services. À partir du 3 septembre, pendant 5 jours, les expositions thématiques seront ouvertes tout d'abord à des visiteurs professionnels et puis pendant 3 jours au grand public. Parmi les 8 thèmes exposés au parc Shougang figurent l'éducation, la santé, la finance, le tourisme, la télécommunication ou encore le sport. Les visiteurs pourront découvrir les nouvelles tendances numériques à travers le monde et comment le numérique va rendre la vie plus agréable et plus durable. Alors aujourd'hui, l'un des sujets majeurs de notre vie est sans doute la COVID-19. La pandémie a accéléré les avancées de l'industrie numérique et presque tous les secteurs ont eu recours aux moyens numériques pour réduire les conséquences de la pandémie et favoriser la croissance économique. Parlant d'un avenir durable, le parc Shougang est lui-même un exemple impeccable de la transformation urbaine vers un modèle durable. Le prochain moment fort du parc sera les compétitions de saut à ski pendant les Jeux olympiques d'hiver de Pékin. Les compétitions se dérouleront ici au parc derrière moi en février 2022.